Dans la filière production de semences, voici la station du futur. Bienvenue à Avesnes-les-Bapaumes, dans le Pas-de-Calais, sur un site de traitement et de conditionnement sorti de terre en 2019. Pour traiter de très gros volumes en un minimum de temps, il a fallu innover à tous les niveaux. Alors cette usine est remarquable puisque nous avons des spécificités sur la partie application des protections phytosanitaires sur les graines avec un strict respect des conditions d'utilisation de par les opérateurs, avec aucun rejet extérieur, avec également un recyclage des effluents et leur réutilisation, et puis aussi la partie identification avec aujourd'hui des concepts de QR code, d'identification parfaite pour assurer une traçabilité totale. Dans l'usine, nous avons 6 personnes qui travaillent à temps plein, bien sûr aidées de saisonniers à la période des semences d'automne. Alors pourquoi peut-être si peu ? Simplement parce qu'on a automatisé vraiment l'ensemble des process. Dans cette usine, la semence fait l'objet de toutes les attentions. Depuis sa naissance au champ et son entrée sur le site, jusqu'à sa sortie où des prélèvements sur différents lots sont régulièrement effectués. Les semences sont contrôlées au champ, mais sont contrôlées aussi au lot. Dans les champs, on contrôle la pureté variétale, mais on peut faire aussi des contrôles phytosanitaires au niveau des maladies, des adventices, mauvaises herbes, ou des ravageurs. D'autres analyses en laboratoire et avant expédition des semences permettent de contrôler l'homogénéité et la qualité des graines, comme par exemple leur taux de germination. Compétitivité accrue, économie d'énergie de 30% ou encore conditions de travail améliorées, cette station de semences s'inscrit véritablement dans les outils de production de demain.